Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie. Tous les jeudis 13-14 heures, nous discutons, comme tous les jeudis, de sujets d'actualité brûlantes, pas brûlantes, en tout cas des sujets qui intéressent le contribuable, les opérateurs économiques entre autres. Qui de nous n'est pas traumatisé par les incessants va-et-vient avec la boule au ventre lorsqu'on brave des heures de bouchons sur les routes pour aller demander un document administratif, le stress du stationnement, le stress de faire la queue, le stress de l'attente, de son tour, le stress de l'heure de fermeture, lorsqu'on pointe, on se pointe au guichet, le stress d'un changement de réglementation, le stress de s'être absenté de son travail sans avoir réussi à régler ses affaires administratives, la valse que nous vivons entre les services administratifs pour l'obtention d'un document CNAS, CASNOS, retraite, impôts, registre de commerce, certificat de travail, assurance, autorisation d'importer, d'exporter, agrément également. Notre vie au quotidien est marquée par la course au papier, aux documents. La e-gouvernance ou la numérisation de la gouvernance des administrations publiques, mais également de la sphère économique, est inéluctable. Il faut en finir avec les va-et-vient des citoyens, des opérateurs, entre les administrations ballottées à droite à gauche, en haut en bas, au sud, au nord, de l'est à l'ouest, les déplacements incessants qui n'aboutissent pas pour obtenir des autorisations, des documents divers, bancaires, états civils, fiscaux et autres, paperasses qui déterminent notre identité, notre statut social, nos obligations civiles. Et il y a beaucoup à dire sur le comportement des agents publics détenteurs de pouvoir qui soufflaient le chaud et le froid sur le devenir des contribuables. La numérisation sécurisée, diversifiée, rapide a une incidence sur toute la société. Incidence psychologique et sociale, incidence économique, le chef de l'État martèle, insiste sur le parachèvement de la numérisation de tous les services publics dans la santé, l'enseignement, l'éducation, les finances, le commerce, les affaires étrangères. Tous les organismes publics, toutes les entreprises nationales doivent opérer leur mutation vers la numérisation. Et enfin, pour terminer cette introduction, pour que cette numérisation soit opérée de façon efficace, harmonieuse, entre les administrations elles-mêmes, avec les acteurs économiques, la société civile, il est important que la stratégie nationale soit adoptée pour rendre les programmes de numérisation institutionnels cohérents, au même niveau d'efficacité, d'innovation, que les avancées du marché national et international. 60 minutes économie. Tous les jeudis, de 13h à 14h. Nous discutons déjà de la stratégie de numérisation qui a été confiée au Haut Commissariat à la numérisation, qui est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie nationale, en concertation avec les institutions, le secteur économique, la société civile, selon ce qui a été mentionné dans le décret présidentiel qui a été publié. Et cette instance, le Haut Commissariat, est mis sous la tutelle de la présidence de la République. Son objectif de cette stratégie, réaliser la souveraineté numérique, assurer la sécurité des données, lutter contre la corruption, moderniser la gouvernance économique et mettre en place un nouveau modèle de gestion des administrations, des organismes et des établissements publics et économiques. Pour en parler, nous inviter au studio Monsieur Erdouane Mahfoudi, directeur général modernisation de la documentation et des archives, également avec nous au studio en présentiel Monsieur Alal Jawed, oui. Selim, expert en numérique. Nous avons au téléphone Monsieur Mohamed Achir, économiste, et nous avons également comme cas d'espèce une illustration justement de l'incidence de la numérisation sur la sphère économique, Monsieur Had Khayel Toufir, président cluster exportateur fruits et légumes, qui est également au téléphone. L'axe de notre débat général, tout le monde aura l'occasion de prononcer, donner son avis sur le pourquoi de la numérisation, à commencer par vous, Monsieur Erdouane Mahfoudi, au directeur général de la modernisation de la documentation et des archives au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Pourquoi la modernisation pour votre secteur? Tout d'abord, bonjour madame, bonjour cher auditeur. On vous remercie la radio algérienne pour cette invitation. Pourquoi la numérisation? Si on parle de numérisation, tout d'abord, on parle du citoyen, on parle de l'économie,
on parle d'une situation sociale, on parle des vers vecteurs de la vie quotidienne. Quels sont les objectifs? Bien sûr, tout objectif pour n'importe quel être humain, c'est d'améliorer les conditions de vie. Tout objectif doit passer par le citoyen. On vit, si on met un État, c'est pour le citoyen. Derrière tout ça, le pilier de toute stratégie et de toute politique publique, c'est le citoyen qui est au milieu, qui est le pilier. Et encore, pour que le citoyen ait une vie meilleure, bien sûr, l'État doit être efficace par les bonnes décisions, qui ne sont pas basées sur des données d'aide à la décision. Donc, si on peut parler d'objectifs, on a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est améliorer la vie quotidienne du citoyen, donner un service public meilleur aux citoyens, et bien sûr, prendre les bonnes décisions, avoir une meilleure gestion du quotidien, avoir un meilleur développement local qui est basé sur les statistiques et des données réelles, efficaces et rapides. Et bien sûr, la réactivité par rapport à tous les problèmes ou à tous les commandes citoyennes. Tout cela, si on définit tout cela, au niveau mondial, au niveau international, le meilleur outil actuellement, c'est la numérisation. La numérisation donne des informations dans des délais très rapides, dans des informations justes, dans des statistiques exactes. Donc, il mène à la prise de décision. La numérisation donne de la transparence, donc les citoyens sont égaux par rapport au service public. La numérisation permet de rapprocher, parce que derrière la numérisation, il y a tout un système de raccordement. Donc, elle fait disparaître les distances, elle réduit les temps de réponse. Et c'est tout et ça qui permet de prendre un très grand nombre de demandeurs. Si on travaille avec les citoyens, avec un système numérisé, ça veut dire que tous les citoyens seront égaux devant ce système. Et c'est le but recherché. J'en fais un petit tour de table. Rapidement, un avis, une perception. Pourquoi la numérisation aujourd'hui, Monsieur Ahmed de... Monsieur Jawad, Halal Jawad. Alors, bonjour, chers auditeurs. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, les invités. Alors, la numérisation est importante. Pourquoi? Parce que, en soi, la numérisation, ce n'est plus un luxe, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que, en termes de projet, c'est un projet socio-économique. Pourquoi? Parce que, d'un côté, on améliore le bien-être du citoyen. Du côté économique, on a vers dans la bonne gouvernance et vers ce qu'on appelle le rendement meilleur et aller vers ce qu'on appelle une productivité meilleure. C'est ça en soi si on devait résumer le numérique. Et aujourd'hui, c'est incontournable parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des nouveaux paradigmes où tout est centré autour du citoyen et tout est centré autour du consommateur. C'est ça l'avantage que nous avons. Avant, on partait chez l'épicier pour prendre ces outils. Maintenant, partez chez les administrations. Maintenant, c'est les administrations qui viennent chez le citoyen pour mieux se servir. Alors, je vais donner la parole à M. Mohamed Achir, également à M. Had Kahil. Alors, la numérisation pour vous, j'ai un peu plus axé la question sur pourquoi la numérisation. Est-ce que le fait également de numériser, selon vous, M. Mohamed Achir, c'est une manière également d'asseoir une certaine confiance sans avoir confiance dans les déclarations, confiance dans la sécurité et la sécurisation des informations? Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec la confiance à travers la numérisation, c'est-à-dire que les déclarations des uns et des autres sont prises en compte sans avoir besoin, de voir physiquement la personne et de lui faire un interrogatoire? Monsieur Mohamed Achir. Oui, effectivement, il y a la question de la confiance dans la numérisation, surtout lorsqu'il s'agit de transactions financières numérisées ou digitalisées. Donc cela nécessite quand même une certaine confiance, mais aussi fondamentalement nécessite toute une éducation financière. Donc comment déjà préparer, comment former, comment sensibiliser les citoyens. Monsieur Mohamed Achir, vous pouvez vous éloigner de celui qui fait de la menuiserie à côté? Oui. Merci. Donc, j'ai dit, il y a même la question de l'éducation financière, c'est-à-dire il faut préparer les citoyens à ces pratiques financières numérisées ou digitalisées. Donc avec la performance du système et avec, bien sûr, le retour du système, donc ça construit la confiance par rapport à lui, par rapport aux usagers. Donc il y a un temps nécessaire pour, en quelque sorte, adopter ces technologies par que ce soit les commerçants ou leurs clients.
Merci. Oui. Oui, vous avez terminé votre... Oui, oui. Monsieur Khayil Toufir, vous êtes au téléphone. Vous êtes président du cluster exportateur fruits et légumes au téléphone. Je vous demande juste votre impression, en tout cas, très, très rapidement pour entrer dans le vif du sujet. Quel est le poids et l'importance pour vous de la numérisation dans l'activité dans laquelle vous êtes, donc producteur et exportateur? Bon, déjà, il y a un meilleur traitement, en fin de compte, avec tout le monde est mis sur le même piédestal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça réduit les distances. Vous n'avez plus besoin de faire 2000 km ou 1000 km, sachant que notre pays est un pays continent. Donc, si vous êtes au niveau de la frontière du Mali et il faut déposer votre dossier de remboursement de transport au niveau du ministère à Alger, vous n'avez plus à faire ces 2000 km. Le troisième point, c'est que tout le monde, en fin de compte, vous n'avez pas à être face à l'humeur d'un interlocuteur. S'il est là, il n'est pas là, il peut être malade, il peut ne pas être malade, il peut avoir tout un tas de paramètres. Là, c'est la machine qui traite. Mmh. Et le quatrième point, c'est que tout le monde, en fin de compte, il y a une rapidité dans le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'on accuse réception de votre document à l'instant T, et vous avez un pouvoir de réclamation si ça n'est pas fait, puisque c'est la machine qui est juge. Puisque la machine, vous avez déposé votre dossier, elle vous a donné votre accusé de réception, vous faites une capture d'écran de l'accusé de réception, et si au bout de 2 mois ou 3 mois, vous n'avez pas eu de réponse, à ce moment-là, vous êtes en droit d'aller rétorquer ou d'aller faire une demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de suivi. Donc, le traitement de l'information se fait plus rapidement. On n'a plus besoin d'interlocuteurs en face. On n'a plus besoin de regarder les heures de bureau, on n'a plus besoin de ça réduit la distance et ça augmente l'efficacité. D'accord. Et c'est en ça que la numérisation est importante, parce que pour vous dire, à l'étranger, enfin dans certains pays... Oui, bien sûr, jusqu'où on peut aller d'ailleurs. On achète sa baguette maintenant avec son téléphone. Mmh. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer l'extrême, d'un extrême à l'autre, en fin de compte, de la numérisation. Nous reviendrons vers vous pour justement nous donner votre expérience en tant qu'exportateur-producteur sur les attentes que vous avez en matière d'exportation, dans le cadre de la logistique, dans le cadre des autorisations d'exportation, du couloir vert. Enfin, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui a été numérisé et qui vous a facilité aujourd'hui la tâche par le ministère du Commerce, entre autres? Merci de rester avec nous. Restez avec nous. Je reviens donc sur la thématique première. C'est nous savons à quoi sert la numérisation. Hein. D'abord, lutter contre la corruption. Ça, c'est, on va dire, première motivation. On n'a pas affaire à l'humeur, à l'absence de l'agent au guichet ou du fonctionnaire, à ses humeurs, à ses incompréhensions, parfois, entre le monde économique sur le terrain et lui, de par sa place en tant que fonctionnaire au bureau. On va prendre donc le cas du ministère de l'Intérieur. Les trois quarts des Algériens, 100% tous les Algériens en recours, qu'ils soient opérateurs ou simples citoyens, ou chômeurs, ou retraités, ou pensionnaires, en recours aux services publics des collectivités locales. Comment a été opéré et où se trouve justement cette mutation? Qu'est-ce qui a été fait en matière de numérisation, digitalisation du service public sur la documentation des papiers d'état civil? Merci pour Monsieur cette question. Je confirme, lorsqu'on parle de services publics, à 80% on est en train de parler du ministère de l'Intérieur. Pour la simple raison, le ministère de l'Intérieur, c'est le garant d'identité. C'est-à-dire même les services qui sont offerts par les autres secteurs passent quelque part par le ministère de l'Intérieur, si on passe à une dématérialisation. Le ministère de l'Intérieur est responsable de l'état civil. C'est lui qui détient le registre national automatisé de l'état civil. Donc, il est défini, c'est de fait le ministère clé du service public. Oui, oui. Qu'est-ce qui a été fait? Tout d'abord, avant de parler, je vais un peu m'étaler, je m'excuse madame. Si on parle de numérisation, le pouvoir public et le ministère de l'Intérieur en particulier, on a travaillé sur plusieurs volets. Tout d'abord, on a travaillé sur la simplification des procédures. Simplifier les procédures, tout d'abord, il fallait simplifier. Si on automatise ou là on numérise une procédure qui est compliquée, ça va être une procédure aussi compliquée, mais numérique, d'une façon numérique. Donc, il fallait simplifier les procédures, c'est le bon sens. Il y a des procédures qui étaient très valables
dans les années 70, des années 80, par rapport aux technologies et aux avancées scientifiques de cette époque, maintenant, ils deviennent obsolètes. Donc, il fallait revoir tout l'arsenal juridique, toutes les procédures. Un grand chantier a été ouvert pour tous les ministères, qui a donné beaucoup de résultats. Le ministère de l'Intérieur, il a opéré une grande numérisation et il a fait le pas d'aller vers les grands dossiers. Donnez-nous des exemples. Oui, aller vers l'état civil, le ministère de l'Intérieur, en une année, il a numérisé plus de 100 millions d'actes. Numérisé, ça veut dire 100 millions d'actes ont été scannés, numérisés, saisis, corrigés, validés. Et maintenant, on peut se faire délivrer, première étape, on peut se faire délivrer l'acte de naissance avec un clic. Deuxième étape. On l'imprime chez soi. Oui. Je reviens à ça. Justement, le ministère de l'Intérieur, c'est crashando. L'authentification, la légalisation. Ce qu'on a vu qu'au ministère de l'Intérieur, c'est que le meilleur guide de toute sa stratégie, c'est le citoyen. La commande citoyenne guide, elle est la locomotive de toutes ces avancées. Mm-hmm. L'avantage d'Internet, c'est que le citoyen sait ce qui se passe dans le monde et il a tout le droit de réclamer le même service qu'il voit dans les autres pays. Quelles sont vos avancées? Qu'est-ce qui a été fait? Actuellement, par exemple, je cite pour l'état civil. Pour l'état civil, l'objectif, c'était de faire délivrer l'acte de naissance de n'importe quelle commune. Mmh. Ça a été atteint. Ensuite, le citoyen s'est dit pourquoi on se déplace. Deuxième étape, on a délivré l'acte de naissance par Internet. L'acte de naissance, mariage, décès, ils sont délivrés par Internet, donc ils n'ont même pas à se déplacer. Autre chose, avec les autres ministères, les plus grands ministères qui demandent les documents d'état civil, on s'est raccordé. Le citoyen n'a même pas à ramener un document pour cette administration. Parce que malheureusement, après les grandes avancées qu'on a fait au ministère de l'Intérieur, on a remarqué qu'il y a d'autres ministères qui sont utilisateurs des documents délivrés par le ministère de l'Intérieur, qui les exigeaient toujours, et les citoyens étaient presque le réseau qui raccordait les administrations. Bien sûr que c'est le réseau qui raccorde. Dernièrement, c'est lui le voilà. Comment on appelle ça, le démarcheur. Voilà. Depuis 2020, les autorités publiques ont senti ça. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a un ministère chargé de la numérisation. Ensuite, maintenant, on a le Haut Commissariat. Donc et maintenant, le citoyen, presque à 80%, on ne lui demande plus ce document. C'est les administrations qui s'en chargent pour les... On a vu avec le ministère de l'Éducation... Aucun document, on a besoin d'aller vers les administrations sur aucun document aujourd'hui. Ça varie d'un ministère utilisateur à un autre. Non, on parle de l'intérieur avec le ministère de l'Intérieur, je peux confirmer que tous les documents sont délivrés d'une façon numérique. Sans exception. Qu'est-ce qui reste? Vous avez dit 80%, donc il va y avoir 80% avec les relations avec les autres ministères. Ce que j'ai dit. J'ai dit 80% des relations avec les autres ministères. Il y a des ministères qui n'ont pas encore, et c'est le rôle du ACN. Mais on continue à aller aux APC pour retirer ça. Pour les faire emmener vers ces administrations. Mais on va quand même les imprimer chez eux. Non. On les imprime pas chez soi. Je vous donne un exemple concret. Cette année. Aidez-moi, messieurs, si vous avez des remarques à faire sur ça. Cette année, par exemple, l'inscription des nouveaux élèves au primaire, les élèves qui ont eu 5 ans. Les parents ont inscrit leur enfant sur Internet sans donner aucun document. On a donné l'accès au ministère de l'Éducation, à toutes les écoles, oui. Qui vérifient la déclarative du citoyen, du parent. Donc voilà l'exemple. Donc citez-nous tous les actes et tous les documents qui sont imprimables. Tous les actes de l'état civil sont imprimables. Sans exception. Sans exception. Tous les documents, toutes les autorisations sont faites. On a 64 dossiers. Sur la base de quoi? On fait une déclaration, on donne son empreinte, on donne son identité. On a 64 dossiers qui peuvent être délivrés, qui peuvent être déposés sur Internet, sur la plateforme qui s'appelle Guichet Distant. Vous faites confiance à tous les contribuables qui passent via ce... Il y a en back-office, il y a tout l'arsenal de vérification. Lorsqu'on simplifie, on simplifie la procédure, mais on n'enlève pas les garde-fous. Les garde-fous sont faits d'une façon transparente pour l'administrer. C'est ça l'avantage. Laissez M. Jawed, M. Mohamed Achir s'exprimer sur ce que vous venez de dire. L'administration, les collectivités locales en centrale ou dans toutes les wilayas du pays sont-elles au même niveau de numérisation? Et qu'est-ce que vous pensez de ces avancées-là, monsieur? Alors, pour avoir suivi un peu le ministère de l'Intérieur dans le processus de dématérialisation, les processus numériques, qui avaient un objectif de servir le citoyen, il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
La première des choses, c'est un processus qui a commencé depuis pratiquement une vingtaine d'années pour pouvoir un peu être dans ce. Parce que les procédures organisationnelles existent à partir du moment où aujourd'hui on a une base de données qui est la base de données du citoyen et derrière il y a toutes les données concernant le citoyen. Donc à un moment donné, il faut se dire, parce qu'il ne faut pas dénigrer le travail qui a été fait parce que pour arriver à cela, je pense qu'il faut un peu remonter ça à le temps. Parce qu'à un moment donné, il faut digitaliser les procédures et reprendre les archives qui ont été passées pour pouvoir avoir une base. Et bien sûr, on se rappelle tous du processus en 2015 où le passeport biométrique devait faire son effet, que tous les autres passeports n'y étaient pas. Il fallait commencer par des anciens qui n'étaient pas impliqués. Donc on avait ce qu'on appelle le S12. Ce S12, maintenant, il n'est plus d'actualité parce que les nouveaux citoyens s'enregistrent d'une manière normale. Donc, ce processus est long et très long à se mettre en place et surtout en termes de vérification. Est-ce que derrière justement ce micro-ordinateur, cette procédure électronique, il y a un monsieur, un agent alors c'est numérisé, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui clique sur un document pour délivrer quelque chose via Internet, mais c'est le serveur lui-même qui déclenche. Ce n'est pas qu'une question. On a vu avec, par exemple, du côté pour les ressortissants algériens à l'étranger, ils se déplacent d'État en État aux États-Unis ou ailleurs pour aller remettre des documents parce qu'on leur exige de venir prendre un avion et aller dans un consulat remettre des documents physiques. Alors, ce n'est pas qu'il y a une ou deux personnes, mais il y a une batterie, toute une armada de personnes et une armada de technologies. Donc, parce qu'aujourd'hui... On est sur quelle technologie, donc, alors? Alors, certains ministères qui ont été précurseurs ont conçu leur propre data center, qui est le centre d'analyse de données. Derrière, il faut savoir que pour pouvoir faire pour aller conduire aux citoyens, il nous faut pratiquement quatre piliers fondamentaux. Le premier, c'est le data center pour pouvoir traiter les données. Le deuxième, ce sont les infrastructures qui transportent la donnée vers les citoyens via un PC ou un smartphone, etc. C'est un peu le câble Internet, c'est les fibres optiques. Oui. Le troisième, ce sont les certificats électroniques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut authentifier des signatures. Donc, il y a une autorité par rapport à ça qui est en support, c'est l'infra. Et le quatrième, c'est le pilier ressources humaines, parce que tout ça a été fait par de la compétence algérienne, qui a une maîtrise de plusieurs couches. On maîtrise la partie infra, on maîtrise la partie base de données, on maîtrise la partie sécurité, parce qu'il y a un espace sécuritaire, on maîtrise les parties process, parce que qui valide? Un informaticien ne peut pas valider un document. D'ailleurs, il y a des gens de process qui mettent les verrous nécessaires. Donc tout ça, il y a toute une batterie de personnes qui travaillent constamment, nuit et jour, pour que ce genre de service soit livré. Et nous avons l'obligation, en tant que l'administration a cette obligation d'assurer ce qu'on appelle un service minimum, c'est-à-dire que le SLA aujourd'hui, si je dois rétablir la confiance entre moi et le citoyen et je déclare un service digital, il ne faut pas que ce service digital soit interrompu à 5 heures de l'après-midi. Il est souvent il y a des exemples où il est interrompu, où le serveur est bloqué, où le serveur, et c'est arrivé pour l'enregistrement à l'obtention d'un logement, c'est arrivé pour l'obtention d'un agrément à la constitution d'un syndicat, on est dans quelle technologie aujourd'hui, avant de donner la parole à monsieur Mohamed Dachi? Il faut faire le distinguo en deux choses. Quand on lance des plateformes pour pouvoir un peu alléger des procédures, et tout un processus de dématérialisation qui va de bout en bout. Donc derrière, tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est un adage très, très, très simple pour pouvoir le mettre. C'est-à-dire que les plans de digitalisation, c'est un plan global. Pour arriver au portail, c'est la finalité. C'est comme vous construisez un bâtiment et vous voulez que les gens habitent, vous construisez l'intérieur, c'est magnifique, et vous oubliez de peindre l'extérieur et la route qui mène vers l'intérieur. Donc aujourd'hui, le portail n'est qu'une vitrine, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc si aujourd'hui il y a des plateformes qui bloquent, peut-être que le sizing n'a pas été fait en adéquat, peut-être qu'ils n'ont pas prévu quand il y a un pic de rush, et tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse en termes de tout ce qui est flux de données. Donc là, on ne peut pas aujourd'hui blâmer une plateforme parce qu'à un moment donné, à 5 heures de l'après-midi, il y a eu un pic de 5 millions ou de 3 millions de bonhommes qui sont venus et elles tombent down. C'est tout à fait normal parce que si on n'a pas prévu cela. Donc,
Si le fait qu'on prévoit ça en size nécessaire, c'est pour ça que dans le ACN, on a prévu une stratégie du cloud, c'est la scalabilité, c'est dans ce sens-là pour éviter ce genre de choses. Monsieur Mohamed Achir, donc vous venez d'écouter Monsieur Erdouane du ministère de l'Intérieur, Monsieur Alel Jawed, expert en numérique. Vous, en tant qu'économiste, professeur, je dis souvent observateur de la scène, le président de la République a donné une échéance pour finaliser la numérisation de tous les secteurs. Monsieur Jawed nous dit, c'est compliqué, ça prend du temps, il y a une technologie, il y a de la ressource humaine à mettre en place, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous en pensez quoi, Monsieur Mohamed Achir? Est-ce que nous avons et les compétences et les équipements et la technologie nécessaires pour vraiment finaliser ce travail de numérisation? Vous êtes avec nous, Mohamed Achir? Monsieur Mohamed Achir? On vous relance. Monsieur Had Kri El Tofik au téléphone, président cluster oui. Exportation fruits et légumes. Je vous ai promis de revenir vers vous parce que vous êtes un opérateur, vous êtes sur le terrain pour témoigner en tout cas de ce qui a été entrepris au plan de la numérisation pour faciliter vos interactions avec l'administration et faciliter l'acte d'exporter, l'acte d'acheminer vos productions. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette expérience de numérisation du secteur du commerce ou d'autres secteurs parce que vous êtes en interaction avec une multitude d'organismes? Exactement. Bon, regardez, pour être honnête avec vous, avant, en fin de compte, pour faire une opération, j'étais obligé de voir physiquement la douane, de voir physiquement Air Algérie, parce qu'il fallait que je booke, je prenne une place, en fin de compte, un cargo. Il fallait que je vois physiquement les certificats, le phytosanitaire, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture. Il fallait que je vois physiquement le ministère du Commerce. Ben maintenant, tout ça, ça a disparu. Maintenant, en fin de compte, on discute à distance. Pourquoi? Parce qu'avec Air Algérie, on a une plateforme sur laquelle on fait nos réservations. Avec la douane, bon, on discute par mail. Et avec le ministère du Commerce, ben, quand je fais ma demande de remboursement du transport, je la fais, si je suis à Hong Kong, à Taïwan, ou à Bangkok, ou à Paris, ou à Alger, ou à Marseille, ben, j'utilise simplement mon téléphone et je scanne les documents et je les envoie à n'importe quelle heure. Et donc vous avez une réactivité à toute épreuve, une réactivité de tous ces organismes via ce numérique? Exactement. Ce n'est pas une réactivité à toute épreuve. C'est-à-dire que je dépose mon dossier au moment où je le désire et après, eux, c'est des êtres humains qui traitent l'information après. Hein. Ce n'est pas des machines. Mais toujours est-il que je dépose ma demande à l'instant T. Après, ils ont une journée, deux journées pour traiter ma demande. Et après, j'ai une réponse par rapport à ça. Donc, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, ça me fait gagner... Lorsque vous dites que c'est des êtres humains qui traitent l'information, c'est-à-dire que finalement, il y a un logiciel qui fait parvenir une information, une demande. Derrière ce logiciel, il y a toujours les mêmes personnes qui vont examiner votre demande sur support digital. Mais justement, est-ce qu'il y a où réside la réactivité? Où réside la réactivité? C'est qu'avant, vous aviez, avant d'arriver à la dixième personne qui traitait le dossier, il fallait qu'elle passe par la première, on cache, on valide, c'est bon. Après deuxième, après c'est bon. Troisième chef de service, sous-directeur, directeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va de moi, en tant qu'opérateur, directement au décideur. Donc, si ça passe directement par le décideur, il y a 4 ou 5 personnes qui sont court-circuitées. Voilà. Et c'est en ça, en fin de compte, que le traitement du dossier est beaucoup plus réactif. Et après, s'il voit que le dossier est complet, il a toutes les cases qui sont cochées. À ce moment-là, il valide, parce que c'est lui qui est décideur. Voilà. Plutôt que d'avoir le petit planton au niveau du ministère, avec tout respect que j'ai pour les plantons et pour toutes ces personnes-là, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, du Commerce, pardon, je dois faire la queue pendant 3 heures quand il y a du monde.
parce que je dois attendre mon tour. Après, j'ai le planton à la réception. Après, je prends l'ascenseur. Après, je monte au 7e étage. Et après, j'attends mon tour. Et après, ceci, cela. Donc, ça fait une journée de... Il y a au moins 7 ou 8 personnes que je vois et ils me font perdre, enfin ils me font pas perdre, mais c'est comme ça, c'est toutes les administrations du monde. Il y a une demi-journée, voire une journée qui est perdue. Alors que là, en 5 minutes, je numérise mes documents et je les envoie. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à la digitalisation? C'est-à-dire, on a envoyé une... Oui, allez-y, monsieur. Oui, il y a une limite à la digitalisation. C'est lorsque le... Les limites de la digitalisation, je vais dire la, tout ça. La limite de la digitalisation, c'est lorsque la machine prend le dessus par rapport au contrôle de l'homme. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une autre phase. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un robot, en fin de compte, et vous lui dites, voilà ce que tu dois faire dans telle circonstance, voilà ce que tu dois faire dans telle circonstance. Mais il y a certains cas qui doivent être traités par l'homme. Des cas exceptionnels. Bah, très bien. Restons sur ce domaine-là, on n'est pas encore arrivé à l'intelligence artificielle. Oui, mais il faut commencer ça va venir, bien sûr. Mais... Vous avez on est arrivé à un tel niveau d'avancée de la technologie, c'est-à-dire que tous les 18 mois, vous avez la vitesse des processeurs qui est multipliée par 2. Et ça, c'est une loi en physique. Donc, si on ne fait pas attention, dans 18 mois, on va être dépassé et il va falloir faire attention. Il faut mettre les garde-fous dès maintenant. Dès maintenant, il faut mettre les garde-fous. Voilà, c'est pour ça que l'être humain a son importance aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que il ne s'agit pas de rester chez soi et de ne plus avoir de fonctionnaires. On a besoin des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on est algérien et l'algérien, ce n'est pas le français, ce n'est pas l'américain, ce n'est pas le suisse. C'est-à-dire que l'algérien a sa manière de réfléchir auquel on doit tenir compte. Voilà. Je vous rajoute une question, je pourrais peut-être vous libérer... Non, mais je vous en prie, madame. Vous libérer peut-être après celle-ci. Est-ce que dans le parcours de la logistique, quels sont les manques aujourd'hui de digitalisation? Vous êtes dans quelle attente dans la sphère économique et commerciale, dans l'exportation, dans la chaîne de valeur logistique à l'export, avec les différents acteurs auxquels vous avez affaire, ou faut-il encore intervenir avec la numérisation? J'ai besoin, par exemple, de connaître, pour savoir quels sont les bateaux qui vont venir, j'ai besoin actuellement de connaître, d'appeler physiquement les différents opérateurs économiques étrangers. Ça mériterait en fin de compte d'avoir un petit logiciel et de regarder sur mon téléphone et de dire que, par exemple, telle date, il y a tel bateau qui part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai besoin de suivre mon conteneur ou j'ai besoin de suivre mon semi-remorque quand il prend le bateau et quand il part. Ça fait partie de la digitalisation. J'ai besoin de savoir la température qui se trouve à l'intérieur du conteneur ou à l'intérieur du semi. Ça fait partie de la digitalisation. J'ai besoin de savoir quels sont s'il y a de la place ou pas encore au niveau du bateau. Ça fait partie de la digitalisation. Vous savez, il y a la digitalisation... Au niveau de vos interactions avec la douane algérienne, par exemple, ou avec Algex? Avec Algex, j'ai pas tellement. C'est avec le ministère du commerce, en fin de compte, que l'on traite énormément, parce que le ministère du commerce et le ministère de l'agriculture sont nos interlocuteurs et on corrige au fur et à mesure les problèmes. Mais avec la douane, ben, j'aimerais bien, en fin de compte, qu'on puisse avoir un petit logiciel ou une petite application qui nous permet de voir comment est-ce qu'en fin de compte je peux récupérer l'information. Voilà, c'est-à-dire que, parce que, regardez, quand j'envoie de la marchandise, il y a un code qu'on appelle le SH, système harmonisé. C'est un code international qui permet, par exemple, d'envoyer des petits poids, de la date, tout ça. Vous devez mettre ce code-là. Ben, je suis obligé de faire une recherche sur Internet pendant une demi-heure, une heure pour pouvoir trouver ce code. Alors que si j'avais une petite application, voilà ce dont vous avez besoin. Vous mettez votre registre commerce et tout ça. Il y a beaucoup à faire encore. Madame, vous savez, dans n'importe quel pays au monde, il y a encore la numérisation. Ça a commencé il y a 20 ans, 25 ans. Ça ne finit pas. Et ça continue. Et ça ne finit pas. Merci. Pourquoi?
parce qu'il y a tout le temps des mises à jour. Vous savez, dans le, Bien sûr. Si vous le permettez. Bien sûr. Lors de mes précédentes vies, j'étais chef de projet dans une multinationale allemande qui s'appelait Siemens. Et c'est moi, en fin de compte, qui ai fait la numérisation de la société Siemens pour la partie informatique. Merci pour la pub. Merci pour... je suis désolé. Et après, en fin de compte, ça a mis pratiquement un an pour pouvoir, on a mis un an pour pouvoir faire numériser les différents éléments de la société. Donc, et jusqu'à présent, en fin de compte, il y a des mises à jour. Pourquoi ? Parce que les êtres humains évoluent, la législation évolue et tout évolue. Voilà. Évidemment. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hadkriel. Je vous libère, Monsieur Hadkriel Toufir, président Cluster Exportation Fruits et Légumes. Merci infiniment pour votre contribution, vos idées et puis le constat que vous faites de l'évolution de la numérisation pour l'activité qui vous concerne. Monsieur Mohamed Achir, je vous ai pas donné la parole, mais enfin, je vous avais relancé sur la. Par exemple, aujourd'hui. On parle les ministères, les organismes publics doivent avoir des interactions, de la cohérence. Est-ce qu'on a finalisé cette stratégie de numérisation pour que une institution puisse avoir toutes les informations sur ma personne? Afin d'éviter de me renvoyer vers le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère des Startups pour aller chercher de la documentation nécessaire. La stratégie de la numérisation, qu'avez-vous à dire là-dessus? Elle n'est pas encore prête déjà. Oui, je pense qu'il faut une stratégie de numérisation intersectorielle d'abord pour créer cette interopérabilité. Pour, je pense qu'il y a maintenant... Expliquez-nous l'interopérabilité en dehors des experts. L'interopérabilité, c'est justement le partager les données au niveau de tous les ministères, au niveau de tous les secteurs, de tous les organismes. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit cloisonné. Il faut décloisonner toutes ces données, toutes ces informations. Dites-le plus simplement encore, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire, quand on parle de l'interopérabilité... toutes les institutions doivent être reliées au même système d'information et un système d'information partagé avec des données partagées. Le data center, par exemple, va contribuer énormément à cette, d'abord, bien sûr, au stockage de données, protection de données, mais aussi à créer des switchers, parce que les switchers vont partager les données avec tous les ministères, et quand c'est partagé, donc les mêmes données, les mêmes écrans, les mêmes documents, bien sûr, il y a déjà la signature électronique par rapport à la vérification d'authenticité, etc., et l'authentification. Donc, à partir de là, qu'un opérateur économique, par exemple, ou bien un citoyen, n'est pas obligé de se déplacer partout, ou bien de présenter plusieurs dossiers, ou de se mettre même via plusieurs plateformes. Pourquoi ne pas relier toutes ces plateformes? Donc, c'est ça l'interopérabilité. On a vu la dernière fois le lancement par le ministère des Finances de cette méthode switcher, c'est-à-dire le paiement électronique, même par téléphone, avec QR code, etc. Maintenant, qui est associé la poste, qui est associé les banques. Donc, c'est décloisonné. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est ce qu'il faut généraliser. Entre-temps, il y a aussi un travail... Au-delà de la numérisation, c'est un travail aussi c'est une approche de gouvernance, ce qu'on appelle la normalisation. C'est vrai que la numérisation va contribuer à la normalisation. C'est quoi la normalisation? C'est pour ne pas, justement, vous l'avez dit dès le début de l'émission, je pense, ou bien c'est Adkir qui l'a souligné. La cohérence. Donc vous n'aurez pas problème avec des personnes, avec l'humeur des personnes. Mais avec un système qui est paramétré, qui est normalisé selon les lois, c'est ça la normalisation. Normalisation, le fonctionnement. Ce n'est pas une personne selon sa propre, c'est-à-dire volonté ou bien... Non, c'est un système normalisé, numérisé, qui va créer cette efficacité et qui va créer cette facilité, dans le fonctionnement. Merci. Restez avec nous, Monsieur Erdouane.
Ah, monsieur Mohamed Achir est parti. Monsieur Erdouane Mahfoudi, directeur général modernisation de la documentation et des archives. Je ne vais pas vous demander de parler au nom de tous les secteurs. Hein. Vous allez parler du vôtre, de l'institution qui est le ministère de l'Intérieur, mais qui chapeaute toute la population avec ses différentes catégories et besoins en état civil et autres, mais également tous les besoins des autres institutions pour se fournir en documentation, l'identité des... La stratégie nationale de la numérisation, vous avez déjà dans la numérisation. Qu'est-ce que cela va vous apporter, à votre avis, cette stratégie? D'accord. Si vous me permettez, je vais prendre deux minutes pour revenir à un point très important que vous avez évoqué. Le passeport biométrique que vous avez cité comme exemple, je veux retenir l'exemple, qui a commencé en 2012 en Algérie. On a commencé à délivrer le passeport aux Algériens. Vous avez dit qu'on a vu des Algériens se déplacer au consulat pour prendre le dossier. Je vais dire une chose. C'est au niveau mondial. Là, on parle, est-ce qu'on met un dossier ou pas? On parle de dématérialisation qui accompagne la numérisation. Quand on dit numérisation, digitalisation. Donc, il faut savoir une chose. On dématérialise lorsqu'on dit on a tout dématérialisé, ce qui est dématérialisable. Sincèrement, si j'ai à prendre l'empreinte d'un citoyen lors de son arrivée, je ne veux pas le faire à distance pour vérifier. Il y a le problème derrière d'usurpation d'identité qui peut surgir. Mais je vais citer l'exemple du ministère de l'Intérieur, comme vous avez si bien cité. Actuellement, au ministère de l'Intérieur, si on fait un passeport, on se déplace à la commune ou bien au consulat pour le diaspora algérien qui est à l'étranger. Mais pour avoir une pièce d'identité pour la personne qui a déjà eu son passeport, il ne dépose aucun dossier. Il le fait par Internet, il le reçoit. Que ce soit pour les Algériens résidant en Algérie ou les Algériens résidant à l'étranger. C'est la preuve même, sincèrement. Est-ce qu'on pensait un jour qu'on peut arriver à ça? Donc lorsqu'on parle de numérisation, les choses numérisables, il y a des choses de fait même à l'étranger. Oui. D'ailleurs, pour le passeport, pour le citer comme exemple, en Algérie, on est presque le seul pays où on se déplace directement à la commune pour enregistrer mon fils, pour prendre son premier document biométrique. À l'étranger, on demande un rendez-vous. Je vais citer un pays qu'on parfois on prend comme référence, or qu'on s'en trompe, la France. La France, l'année passée, ils ont déclaré pour l'été passé qu'ils allaient mettre le paquet pour réduire le rendez-vous d'inscription à un mois. Or qu'à l'Algérie, on vient à l'instantané. À Alger, qui est la capitale, on peut aller à n'importe quelle commune sur les 67 ou annexe communale pour déposer. Très bonne nouvelle. Voilà. Non, c'est depuis des années ça que ça existe. Depuis 3 ans, tout ça se fait, et depuis avant, bien avant. Donc il y a beaucoup. Maintenant, je vais parler d'une chose. Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'espère qu'il restera toujours quelque chose à faire. Tout le temps. On s'ennuierait ici. Voilà. Non, parce que le droit du citoyen, c'est quoi? Le citoyen a le droit d'espérer à une vie meilleure. Donc à chaque fois, la commune citoyenne va nous créer de nouveaux objectifs. Oui, elle va vous exiger de nouveaux challenges. Si on va se déplacer avec cette émission à quelques années, on va voir tout ce qui a été demandé a été réalisé. Mais il y a eu une nouvelle commande qui accompagne. Donc c'est pour ça d'ailleurs, on a même mis une plateforme qui s'appelle Nishki au niveau du ministère de l'Intérieur. Mm-hmm. Cette plateforme donne l'occasion, parce que derrière toute réclamation, c'est une proposition, donne aux citoyens le droit de proposer même des solutions, de revendiquer des choses. Donc vous voyez à quel point. Donc on va retenir, mais à chaque fois on aura des choses à réaliser. Maintenant je reviens à l'interopérabilité et cette relation entre les différents ministères, l'industrie, l'intérieur, l'environnement, les start-up, le commerce, etc. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur, avec quelques ministères, sont très avancés, je peux dire, par rapport à la commande citoyenne. Parce que toujours, lorsqu'on parle de retard, justement, c'est par rapport quels à sont la les ministères précurseurs? Je donnerai la parole à M. Si vous permettez un mot seulement, mais l'interopérabilité qu'on opère, c'est de permettre à l'ensemble des ministères de communiquer. Mais pour arriver à ça, il fallait... Pour construire un édifice, il faut mettre des fondations. Il faut mettre tous les éléments sont prêts maintenant. Lorsque les pouvoirs publics parlent de data center national, réseau gouvernemental, tout ça, c'est les éléments prêts pour aller vers la phase prochaine. Je vous reviens, Monsieur Halel Jawed, expert en numérique. Question simple. Les conditions quel que soit le ministère. Trouver, c'est-à-dire l'interopérabilité, c'est au moins que chaque compartiment, service, département, organe, organisme public, de service public, puisse avoir l'identité du contribuable qui s'adresse à lui, la même identité.
son numéro d'identité fiscale, son numéro de passeport, sans lui demander d'aller chercher l'interopérabilité. Aujourd'hui, elle est exécutée, elle est en marche, elle est à quel pourcentage entre les différents ministères? Très bien. Avant d'arriver à ça, je voudrais rectifier un truc, quelque chose, que la stratégie nationale sur la numérisation a été finalisée. Donc, elle est en phase d'approbation. Donc, ça, c'est important parce que beaucoup de gens travaillaient dessus. Et donc, parce qu'à partir du moment où le président de la République a mis en place une vision, donc, dès qu'hier, il y a une déclinaison de stratégie pour pouvoir un peu décliner en objectif opérationnel. Et c'est pour cela qu'il y a le cadre de loi pour pouvoir avoir ce socle, pour pouvoir exécuter cette stratégie. L'autre chose que je voudrais un peu simplifier, le concept de l'interopérabilité, il faut juste, pour que les gens un peu nous comprennent, chaque ministère a sa propre base de données. Donc, et pour pouvoir les communiquer, simple, je mets le nom, le prénom, ensuite je mets le numéro, d'autres mettent le prénom, le nom, le numéro. L'interopérabilité vient pour pouvoir un peu reconnaître ligne par ligne pour avoir un peu ce qu'on appelle cette unification de base. Par exemple, est-ce que je dois mettre le numéro d'identité de M. Jawed ou non, son numéro de son adresse? Alors, est-ce que je mets son numéro de téléphone? Alors, est-ce que je mets son numéro d'assurance? Quel numéro je vais mettre pour vous reconnaître? Les ministères pratiquement, on travaillait sur leur propre base de données en silos séparés. Donc, pour pouvoir faire de l'interopérabilité, il faut que les bases de données se reconnaissent, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des doublons. Qu'on utilise M. Halal Jawad ici, c'est une personne, oui. M. Halal, c'est une autre. Donc, cette interopérabilité est là pour pouvoir ce qu'on appelle communiquer et unifier une base de données. Ensuite, elle définit les règles de communication entre les bases de données. C'est pour simplifier le concept de l'interopérabilité. C'est très bien. Donc, ce qui, c'est dans ça. On travaille sur cela aujourd'hui. C'est ça, oui, il y a un gros travail qui est en train de se faire sur cela. Le haut commissaire du numérique aussi travaille sur ce plan-là, parce que ça, c'est névralgique et c'est important pour pouvoir délivrer les citoyens. Ensuite, par contre, je voudrais revenir sur une autre chose. On a deux exemples édifiants. On a le ministère de l'Intérieur et on a le témoignage de du président du cluster. On a parlé de deux choses différentes. On a parlé d'un processus complètement dématérialisé et on a parlé d'un autre processus qui n'est que un raccourci d'une logistique de déplacement. Donc, on scanne un document, on l'envoie. Mais le traitement se fait de la même manière. On a juste évité une logistique. D'accord. Alors, numériser... On a juste évité le déplacement. Numériser ne veut pas dire scanner un document l'envoyer par email. Donc, il faut qu'on se comprenne très bien. On est en train de bureaucratiser la digitalisation. Par contre, vous prenez l'exemple, parce que ça, c'est simple à faire. Vous faites un site web, vous faites une plateforme, vous êtes un email, vous téléchargez. Vous recevez autant de dossiers comme s'ils étaient déposés sur votre bureau. Il faut qu'on soit. Et ça, on le faisait dans les années 2000, les années ceci. Où réside la réactivité, la digitalisation. Quand vous allez au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas un fichier que vous scannez, vous remplissez des champs. À partir du moment où vous remplissez des champs, vous avez une interrogation de base de données derrière qui vérifie la véracité de vos données. Et qui vérifie? Et c'est le système, parce que vous avez un logiciel qui met tout ça. Quand le monsieur parlait du tracking, vous savez, quand vous envoyez au suivi par un opérateur de transport de colis, vous avez le numéro, vous avez le tracking, où est-ce qu'il est, vous avez des plateformes de visa qui savent à quel niveau est le traitement. Ça, c'est un processus qui est dématérialisé à partir du moment où, même s'il y a un opérateur humain derrière, mais il a l'obligation à chaque étape de déclarer où est-ce qu'il est, à quelle phase il est, pour avoir de la visibilité. Donc, il faut qu'on arrive, c'est très édifiant ce que vous avez fait. En espérant que la stratégie... Il faut aussi qu'on rappelle à tout le monde qu'une stratégie, c'est quoi? C'est pour unifier les visions, pour décliner les procédures et pour unifier l'angle d'attaque ou l'objectif de chaque ministère et chaque opérateur économique et citoyen. Quand on met en place une stratégie, on la met qui est qualifiable en termes de temps, c'est-à-dire en combien de temps on doit atteindre, quels sont les objectifs à mettre en place et si moi j'étais un investisseur. Et j'ai cette stratégie, je la vois. Je sais qu'en lors de 2028, on doit mettre ça. Donc c'est clair, j'ai une visibilité. On n'est plus « il faut qu'on fasse ». La stratégie, c'est plus « il faut qu'on fasse ça ». Il y a ce qu'on appelle le concept du « yaka faucon ». Le « yaka faucon », il y a qu'à faire, il faut qu'on fasse. Non, on le met en place. Voilà. Et donc c'est ça un peu le principe. Donc c'est pour ça que c'est important. Vos exemples sont très édifiants en termes de deux choses. Il y a une vraie confusion. Il y a une vraie confusion. Quand on lance une plateforme, oui, j'ai lancé une plateforme, mais derrière, si je scanne mon document, je l'envoie, on a juste bureaucratisé. Parce que la même personne que je rencontre
dans le guichet, elle est là à regarder mon document. Donc, quel temps elle va mettre pour répondre? Exactement. Les infrastructures que nous en parle, ne sont qu'un moyen d'accueil L'infrastructure est très importante. Elle est très importante. Quelle infrastructure a-t-on besoin dans le cadre de la numérisation pour les différents secteurs? Alors, la première des choses, on a besoin de centres de données pour pouvoir analyser les données, traitement des données, mettre en place les données. Les données archives, qui sont archivées, scannées. L'archive, c'est un processus long. Parce que les archives d'Algérie ne datent pas depuis 10 ans. Ils datent depuis vous avez le cadastre, avez l'intérieur, vous avez tout ça. Il y a des gens qui remettent en cause des décisions d'attribution alors qu'ils ramènent un acte de propriété de 1800 et quelques. Donc, vous savez, et ça casse un jugement après que quelqu'un ait construit son building, ait mis en place tout ça, il vient avec un acte de gestion, il dit, écoutez, moi, c'est le mien, celui-là, pour ça, vous avez construit. OK, sur quelle base vous m'avez exproprié? Donc, l'archivage est important. Mais l'archivage est un processus continu jusqu'à ce que... Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, je vais tout archiver. Mais on peut dire, à partir d'aujourd'hui, on met le compteur à zéro pour tous les... La meilleure expérience, c'est le passeport biométrique. On n'a pas attendu à archiver tout. On a commencé par les nouveaux et ensuite, on a remis le S12. Il faut de la ressource humaine. Il faut renforcer la ressource humaine. Vous savez, il y a des documents qui sont pratiquement dans un état physique qu'on ne peut pas toucher. Donc, il y a un traitement des documents. Il y a un processus physique qui se fait avant le métal. Donc, ça, c'est important pour le souligner parce qu'on ne numérise pas sans pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on fait du passé et avec quels moyens on le fait? Les infrastructures sont très importantes parce que c'est quand on dématérialise un processus ou un document, il faut le stocker quelque part. Il faut veiller à ce qu'il soit dupliqué parce qu'il faut que s'il y a un data center ou un centre de données est en panne, il faut qu'on ait un moyen de secours, le backup nécessaire, l'archivage nécessaire. Et aujourd'hui, dans les technologies des infrastructures data center, on est passé à un mode qui s'appelle cloud. C'est du data center, mais avec une couche d'automatisation et de self-service. Parce que le cloud aujourd'hui, c'est plus une nouvelle technologie, c'est une technologie qui a déjà existé, fait ses preuves. Elle permet de dématérialiser des processus, d'être accessible à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, et de faire ce qu'on appelle le self-service aux citoyens et aux opérateurs économiques. Je vais poser une question de manière basique, élémentaire. Donc, quel que soit le département, on parle des finances par exemple, évidemment de la logistique, il faut des équipements informatiques performants, c'est-à-dire qui puissent traiter des données. Il faut de la ressource humaine, donc celui qui décide quelle plateforme utiliser. Mais qui fournit la plateforme? Qui fournit les logiciels? Qui sécurise ou développe les applications? Quelle est cette ressource humaine? Quels sont ces équipements? Comment sécuriser ces transactions, ce traitement de l'information aujourd'hui? On va prendre le cas du ministère de l'Intérieur. Vous avez des équipements, il faut les acheter. Oui. Il faut les sécuriser. Il faut trouver les plateformes nécessaires. Qui travaille dessus? Ce sont de l'intelligence nationale. Vous sécurisez, qui sécurise ces informations? Bon, je vais citer l'exemple du ministère de l'Intérieur. Je vais dresser, c'est l'exemple qui a commencé le premier d'ailleurs. Je vais vous dire une chose, sur cette partie, la souveraineté numérique, c'est une décision politique, on l'applique à la lettre. La souveraineté, c'est ne pas dépendre de la technologie ou ne pas dépendre de... Par rapport au ministère de l'Intérieur, on a mis une stratégie par rapport à ce volet-là, ce vecteur. C'est que tout se fasse par des compétences algériennes, des cadres du ministère de l'Intérieur qui ont fait l'université algérienne et l'école algérienne. D'ailleurs, je tiens à dire, à souhaiter bonne chance pour tous nos élèves qui vont passer le baccalauréat la semaine prochaine. Ces fameux élèves qui vont faire, j'espère, des grandes écoles et des grandes universités pour faire profiter encore les administrations de ces élèves. Au ministère de l'Intérieur, on a fait le choix pour garder, pour assurer cette souveraineté, que tous les développements de logiciels se fassent par nos cadres. Aussi, il y a une chose, pour les solutions technologiques, à l'exemple du passeport biométrique, par rapport aux autres pays voisins, on a choisi d'être l'intégrateur. C'est quoi l'intégrateur? C'est qu'on ramène plusieurs techniques et on intègre les solutions. C'est-à-dire l'architecte, le chef de projet, le concepteur de projet, c'est le ministère. Et c'est pour ça qu'on a eu le choix de basculer. On a commencé par exemple le passeport biométrique et les cartes d'identité vierges. On les a ramenées de l'étranger. En 2018, on a pris la décision d'impliquer avec nous l'imprimerie officielle qui est maintenant le fournisseur du permis biométrique, de la nouvelle carte d'identité. On est passé à une carte d'identité livrée c'est une décision politique, on a éliminé le fournisseur étranger.
et de la carte Chifa. Même la carte Chifa, on a profité. Maintenant, notre imprimerie officielle, grâce à ces travaux, elle a pu être mutée du papier vers... Il vous reste des dépendances ? Non, pour atteindre la souveraineté totale, dépendances, peut-être. Là où c'est technologique, c'est des machines, on n'en est pas arrivé là, bien sûr. On ne peut pas construire une machine pour le moment. Mais pour le côté soft, on est autonome à 100% depuis le début. Monsieur, alors, je vais rajouter une chose, parce qu'au niveau du Haut Commissariat du Numérique, on a évoqué ce genre de process. L'intégration, la mise en place de solutions a été faite par un écosystème aussi de professionnels numériques. Parce que ceux qui livrent le serveur, ceux qui livrent le routeur, ceux qui livrent, ce sont des intégrateurs locaux. C'est des sociétés locales. Ceux qui aujourd'hui font la maintenance de ces produits, ce sont des entreprises locales avec la main-d'œuvre locale. Il y a ce qu'on appelle un écosystème de professionnels de numérique. Dieu merci, alhamdoulilah, au niveau du ACN, on est en train de mettre une filière, on est en train de voir une vision de filière des professionnels du numérique. Mais encore une fois, ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur et dans sa propre stratégie, d'autres ont fait une externalisation avec des opérateurs locaux. Ils ont fait des champions dans le domaine des logiciels, développement de logiciels, de tout ce qui est traitement d'état civil. Donc derrière, c'est un choix. On fait in-house, on externalise, mais avec la compétence algérienne. Pour atteindre la souveraineté numérique dont M. Hafoudem en parle, la souveraineté numérique se situe sur plusieurs phases. Les infrastructures, ce que nous avons, Dieu merci, les bases de données, la partie ressources humaines qui existe aujourd'hui. Oui. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, les données, ils existent. Donc on a les données ici. D'accord. Il nous reste aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la partie logicielle. Le ministère de l'Intérieur a fait du homemade, ce qu'on appelle du développement local, mais on reste attributaire et majoritaire importateur de logiciels de plateforme, le Microsoft, l'Office par exemple, etc. La stratégie dans certains pays, ce sont l'open source. Si on arrive à maîtriser cette technologie via l'open source, via d'autres développements MED, on serait plus bien. L'autre partie, c'est que la partie hardware, aujourd'hui que nous importons, nous devons faire en sorte de l'analyser avec des centres d'analyse que nous devons mettre en place pour pouvoir analyser s'il n'y a pas des backdoors à l'intérieur pour être tout à fait indépendant. Il y a encore beaucoup à dire. J'espère avoir l'occasion de refaire cette émission encore un peu plus en profondeur. Merci beaucoup, chers invités, toute l'équipe technique et les chers auditeurs. Aïcha Hammer, et à bientôt.